matin à toutes et tous. On se retrouve pour le premier message de cette rentrée. Nous sommes lundi 4 septembre 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez su recharger vos batteries. Alors, on va commencer cette semaine avec l'oracle du sixième sens et on terminera par la sagesse Ho'oponopono. Avant de commencer, merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Eh bien aujourd'hui, j'ai pigé l'instabilité. Eh bien peut-être que certains d'entre vous vivez pour présentement de l'instabilité. Vous vivez peut-être une situation qui est incertaine et qui est peut-être précaire. Vous avez peut-être des doutes. Et du fait que vous êtes dans les doutes, les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas comme vous le désirez. Il serait peut-être temps de changer de direction, peut-être que de faire du surplace ou d'être dans un moment de flottement ou peut-être dans l'indécision. Peut-être que vous devez vous mettre en retrait pour regarder la situation d'un autre œil. D'où cette instabilité? Pourquoi cette instabilité? Posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette instabilité? Côté sentimental, cela pourrait dire aussi qu'il y aurait de l'infidélité et qu'il y a des caprices et de l'inconstance dans votre relation. Donc aussi, là, peut-être vous remettre en question et peut-être prendre de la hauteur par rapport à cela. Elle évoque évidemment cette carte, la fragilité d'une situation, que ce soit la situation sentimentale ou professionnelle, et surtout la nécessité de tout remettre en question pour trouver, plus d'équilibre et de stabilité. Donc il faut vraiment que vous fassiez un travail d'introspection et de regarder un petit peu ce qui ne va pas, le pourquoi et le comment de cette instabilité. En tous les cas, vous vivez pour le moment présentement une situation qui est incertaine et chaotique. Alors, on vous invite à faire face à des reconsidérations et ne pas vous reposer sur peut-être des promesses que l'on vous a faites. Attention aussi au point de vue psychique, parce qu'il y a une instabilité et peut-être que vous êtes arrivé, au bout du rouleau. Et attention sur le plan psychique, n'est-ce pas? Donc voilà le message pour l'oracle du sixième sens. Je termine avec la sagesse Ho'oponopono. Et là aujourd'hui j'ai pigé, mon âme est de nature divine. L'âme est la partie la plus élevée de notre être. Elle est de nature divine, ce qui indique que nous sommes de nature divine. Alors, vibrons dans cette lumière, c'est là que se trouve notre véritable place. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse, à demain.